Bordel, il est déjà 23h. Eh oui. Et ton patine quand on s'amuse. Oh, Inès! Oh là là. Oui. Oh, j'ai de la fibre. Où est la fibre? Et Crobus, il m'a offert un panneau noir. Cool. Le panneau. Parce qu'il a aimé que je lui fasse un cadeau pour son anniversaire. Ce sont des notes sur la façon dont mon peuple a construit un certain objet. Ah. Nouvelle recette, panneau noir. Oh. Voyons voir. Oh. Artisanat. Il y a un gros machin qui va pop dans le truc, mais j'ai peur qu'il se barre. Hein. Mais Nino, à 1h50 avant que tu décèdes, j'ai dit je te pose la fibre à côté du coffre à côté de toi. Je n'étais pas là. Voilà. Pas facile. Merci. De rien. C'est bon, je l'ai trouvé. Mimi. Ah là là, c'est très drôle. J'ai beaucoup aimé. Refaites-le pour voir qu'on rigole. T'as vu, je fais de mon mieux, moi. Voilà. Non, c'est vrai qu'on se fait les ongles. Ah oui, j'aime beaucoup. Ouais. Ah, faut que je vous raconte un truc. Oh, bah elle est grande la salle. Ouais. Mais c'est trop bien. Je vais mettre ça là. Non. Pas ça ouf. Oui, je disais quoi? Oui. Faut que je vous raconte un truc. Ah. Ouais. Est-ce qu'on appelle un jingle l'histoire de Jake? Vas-y, fais un jingle, je te laisse faire. Alors, avec la famille, on a une conversation groupée Messenger et après-demain, c'est l'anniversaire à ma mère. Et du coup, c'est ma soeur qui organise un petit truc comme ça. J'espère que personne n'écoute. Et je sais pas pourquoi, j'ai trompé de conversation il y a une conversation où il n'y a pas ma mère dedans, exprès pour faire la surprise. Et elle commence à dire oui, voilà, alors j'ai pris ça pour l'hôtel et tout, mais bon, sans forcément citer ma mère. Et là, pris de panique, elle balance un truc sur les ongles. Et j'étais là, mais je comprends plus rien. Et juste après, elle vire ma mère de la conversation. Et j'étais là, mais non, mais c'est bon, on est cramé, on est complètement cramé. Et du coup, pour rigoler, j'ai fait non, par contre, alors pour la couleur des ongles, personnellement, je m'en fiche un peu, mais si je dois donner un avis. Et voilà, c'était très rigolo. Ok. Parfois, hein, les petites bourdes de préparatifs. Ouais. Ça arrive toujours. T'as beau te dire, mais non. Eh si, ça arrive toujours. C'est fou. Ah, mais là, c'est. Surtout que les conversations sont nommées très précisément. Et je comprends pas comment elle a pu se tromper. Mais bon, sur la fatigue et tout ça. C'était rigolo. Et du coup, vous êtes grillé. Hmm? Du coup, vous êtes grillé. Ah oui, on est grillé, oui. Comme le popcorn. Ah oui, c'était dans les égouts. J'étais en train de me dire où est-ce que j'avais mis la viande d'insecte, mais c'était dans les égouts. Pour la mine. Allez, je repars à la chasse au foin et aux insectes. Fa foin. Alors. Bam, qu'est-ce qu'elle veut comme cadeau? Elle veut de la bière. Eh bien, c'est dommage parce que tu n'en auras pas. Tu es à la diète. Roméo, vilaine. Et c'est vraiment un super spot en bas pour la fibre, sans déconner. Ah oui? Ouais. Et pour les insectes, c'est bien ou pas? Bah, le jour d'avant, j'avais fait 20 insectes. Et 60 fibres. Ouais. Pour de l'hiver, franchement. Pas mal. C'est quand même beau quand il neige et tout. Hein. Ouais, oui. J'aime bien. Ouais. Tu as raison, c'est vraiment sympa comme ça. Oh oui, j'aime beaucoup.
Papi papi la poule, papi papi papouette, oulala oulala. Quelqu'un peut aller s'occuper des animaux, s'il vous plaît? Je suis sur les insectes et le foin, donc. J'y vais si tu veux. Merci. Ouais. Là, je suis occupé avec mes slimes. Oh, un tesson prismatique. Je vais rentrer dans l'étable. Ah, apparemment, il y a un choix. Voulez-vous mettre le feu à l'étable? Bah oui. C'est pour le barbecue. Oui. Ouais, ça réchauffe hein, pour l'hiver. Hein. Ah, il y a le chauffage. Il fait rouge, rouge, rouge. Bonjour, 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 bonjour tout le monde, bonjour. Voilà, donc je suis allé voir mes canards. Maintenant, je ne vais plus voir les autres parce que les canards, c'est bien mieux que le reste. Voilà. C'est ça hein, qu'il faut faire. Oui. Ah, je le savais. Cali. Un maître du. Encore une fois, incroyable. Le maître de la ferme. Je suis là. Non, de la ferme tout court. Ah oui, bah si, oui, on est dans la ferme célébrité. Oui, incroyable. Moi, je trouve ça très amusant. Que 30 fibres aujourd'hui. Je suis jamais y arrivé. Mais si, tu peux le faire, allez. Ah, ils sont coincés. Oh bordel. Un peu d'audace et t'y vas là. You allez, insect. Hop. Allez madame. Qui a laissé allumer la motocyclette? Petit thé aux fleurs de cerisier. Ah, ça change de la menthe, hein. Ben oui. On en a plus à la menthe. Mais si, j'en ai teinté. Ils sont dans le vapeur. Ah, tu vois, ça donne envie. Ouais. Petit thé à la menthe rafraîchissant. Le thé à la menthe est rafraîchissant. Oui, aussi. Ok. J'ai réussi. Et fouf, c'est bravissimo. Bravissimo. Je viens de péter ce que j'avais réussi à mettre. Brava, brava. C'est bon, c'est revenu. Ok, alors. Tu me rassure pas. Oui. Mais non, j'y arrive pas. Mais pourquoi tu n'y arrives pas? Qu'est-ce que tu fais encore? Je me bats avec mes slimes. Ah. C'est pas très cool, ils t'ont rien fait. C'est bon, ok, ils sont tous dedans. Essaie de faire une omelette en fait. J'avoue, elle arrive. Ils sont tous dedans. Hé, hey, toi là-bas quoi, bam. Donne-moi ton œuf. Hey. Donne-moi ton œuf, baby. Ton... Hey, ma chère. Arrêtez. 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 Vous êtes fous. Vous avez ça. Like cessez vos calomnies. Simagré le canard. Obilvesé. Oh. J'ai dit calomnie, j'ai pas dit. Calomnie. Finesse. Wow, ça va très loin là par contre. On a un enchaînement de parodies là. D'écrire. Hein. Courage. Alors j'ai besoin de quelqu'un dans le clapier s'il vous plaît. Ah mais je viens de sortir moi là, je suis parti. Pitié. Je suis en train de lutter pour ma survie dans la mine. Tu t'es attaqué? Non, dans le clapier à slime, jamais j'y fous les pieds. Mais si, t'inquiète, tu mais ils sont méchants, le clapier. Mais j'ai pris une sécurité pas. Pour enfants, tu risques rien. Oui, bah. Tout à l'heure, ils m'ont fait un blocus, moi, ils ont failli me casser la gueule. Il n'y a pas de sécurité pour moi. Mais si, tu peux rentrer. Non, allez, rentre. C'est dommage, il faut que je passe sur ça. Est-ce que tu peux fermer la porte, Bah, elle est fermée. C'est moi, le poivre. Dans la deuxième porte. Voilà, merci. C'est tout? Alors, attends. Ouais, c'est tout. Maintenant, okay. Faut que j'essaie de sortir de là. Attends, on dirait qu'on joue à Bubble Bobble là-dedans, quoi. Ah oh là, oh là. Mais attends, les slimes.
Les slimes, il faut aussi leur mettre du foin. Non, c'est pour la déco. Non, c'est pour la déco. Elle a hurlé toute seule, ça m'a fait peur, bordel. Mais elle est folle, cette femme. Tu serais à ma place, tu comprendrais. Oui, je pense, oui. Quand tu passes une heure à mettre une porte que tu détruis dès que tu cliques dessus... Mais putain, mais est-ce qu'ils pourraient arrêter de me coller, bordel? Bah, c'est des slimes et tu as une bague qui les attire, donc... C'est des slimes. Bah, voilà, ça. C'est... C'est la vie. Il n'y a pas de demi-mesure, soit ils t'agressent, soit ils te collent. Ah bah là, ils me collent. Là, je... Ok. C'est des potes glues. J'ai vu quelqu'un courir avec une patte de lapin, là, genre... Mais qu'est-ce que tu fais? Ça devait être Jake. Où tu vas avec ta patte de lapin? Je me barre. Mais tu fais des poubelles? Bah oui, il y a un truc secret dans la poubelle là. Mais j'arrive pas à savoir quand. Oh, bon, j'ai réussi à sortir. Yes. Ça y est, je suis enfin. Oui. Qu'est-ce que c'est? J'ai ah oui, passé on a la pas journée dans le clapier. En fait, aliment spécial. j'ai beaucoup de chance maintenant. Mais je sais pas pourquoi. D'accord. Ah oui, il fallait faire un truc ici. Parce que les... Il faut ramener du vin, du caviar, des fruits anciens, de la mayonnaise de dinosaure. Ouais, c'est bon. Oh, on lui dira, comme on dit. Si, le vin, c'est possible. Oh, le tesson gelé. Hop là, il est posé. Depuis quand t'as un tesson prismatique, toi? Bah, depuis tout à l'heure, je suis allé dans la grotte à côté des égouts, j'ai tapé, il est là, il a looté, et puis voilà. Il nous dit pas tout. Du coup, oui, le vin, on l'a, donc c'est bon. Il manque la maille au dinosaure, les fruits anciens. Le bah, dans la serre. Il est dans la serre, le vin? Il y a du vin dans la serre. On ne te dit pas tout. Est-ce qu'il est de qualité grise? C'est ça le truc. Ah, oh, mince. Je crois que c'est de qualité grise. Bon, caviar, maille au dino, fruits anciens. Fruit? Ouais, c'est des fruits. C'est le fruit. Les fruits anciens, mais ouais. Ah, je vais regarder s'il y a du vin. Alors, il y a du vin, mais ouais. Pas de qualité grise. Mais on a beaucoup de raisins, non? Oui, oui. Je sais pas où, mais oui. On doit en avoir quelque part. Où est le raisin? Bonjour. Oh, ça manque d'éclairage ici. Hop là, je pose des graines. Tuez-les. Je pose des graines. Et récupérer la voilà. Graine. Ah, la grenade. J'ai peur que le foin soit un peu juste. Hein. On va voir. Eww. Il est minuit. Okay. Et tout. C'est... Va mal. Ouais. Bon, je vais remonter parce que je suis à 37 viandes d'insectes. Je vois pas beaucoup plus aujourd'hui. Je ne trouve pas le raisin. Ah, attends, mais... De toute façon... Faut pas confondre les deux bouteilles. C'est le vin de mûr et le vin de raisin, ça a la même couleur. Oui, c'est tous les vins, je crois, auront la même couleur. Mais attends, mais le problème, on a un très très gros problème. Mmh. C'est que oui, il y avait du raisin en automne. Ouais. Mais là, le vin qu'ils nous demandent, c'est du vin tout court. Je suis un génie. Oui, je sais, mais je sais pas comment on fait du vin tout court. Et le caviar, comment on l'a? On le faut le crafter? Alors, le caviar, je pense que oui, c'est une recette. Mais alors, je vais regarder. Courage. Vous êtes invité à rejoindre votre lit. Oui. Je mets une graine de raisin. Oui, t'as encore une petite heure. Ok, 17 fois. Il y a combien de jours en hiver? 17 28. Fois 30, on va 28, dire 28, 28. 28 17 fois 28 17 fois 28 Oula. Bah, tu fais 280 fois 2. Et c'est à peu près. Donc ça veut dire qu'on va consommer 476 foin, si je dis pas de conneries. D'accord. En fait, on a largement assez, si je dis pas de conneries. Ah, ok. Bah, ouais, parce qu'ils consomment un foin par animal, par... Oui. Par animal, pardon, niveau par combat. Jour. Qui c'est qui a vendu ça? Qui a vendu une statue de poulet? Moi, mais... c'est un artefact, on avait déjà. Ah, d'accord. Si c'est artefact, je crois ça. Je croyais que c'était de la déco. Je vous rappelle que chez moi, c'est la brocante. Hein.